Quoi comme flingue? Bon, vous avez entendu. Hop là, alors. Je synchronise un peu mes lancements, je lance aussi la VOD, j'avais oublié de la lancer, donc du coup, on est parti pour Black for Blood. Moi j'aime bien la le petit fusil d'assaut. Alors faisons le plat. Moi je prends le Team 14, j'aime bien. Non, je prends le fusil à pompe, j'ai pas testé encore moi. On a commence. De toute façon, on commence, on est à poil. Hein. On a pas de sous. Non, on va avoir des sous après. Alors là. Salut Poslo et le Comte qui met des petits messages sur le chat. Salut Poslovich, salut Comte. Je l'ai eu. Du pognon. Alors vous pouvez marquer les trucs avec A, hein. Si vous pointez quelque chose, n'importe quoi, que ce soit un ennemi, un objet et tout, avec A, ça vous le... Y a un truc là-bas. Ça fait un petit message. Oui. Notre meilleure chance, c'est d'essayer de passer... Tout de suite, les gens ils font n'importe quoi. Tout de suite, les gens font n'importe quoi, mais ça c'est... Okay. Eh, c'est quand même la magie du jeu. J'ai un fusil à pompe avec une lunette de zoom, quoi. Eh ouais. Ah ouais. Ah bah c'est c'est comme Dying Light et tout, hein. Tu peux mettre tout et n'importe quoi sur ton équipement, c'est la chasse. Ouais, c'est what the fuck. Mais tu sais que tu peux vraiment mettre un modérateur de son sur un fusil à pompe, hein. Ça existe. Ah bah oui, complètement, oui. Ouais. Comme une lunette, d'ailleurs. Oui, alors... L'utilité. Voilà. Ah, l'utilité, on peut en discuter. Il y a un A4, il y a une AK. Ah, c'est bon, j'ai mon M14. Bon, ça va alors. C'est ce qu'il fallait. Moi, je vais me le prendre du coup, l'AK. T'as bien raison. Mais attends, mais vous foutez de ma gueule, vous êtes trois à tirer dessus et vous n'arrivez pas à vous le faire. Et merci pour tout. Ah, qu'est-ce que tu crois? T'es défendu. Ah, d'accord. Bah, ah, son point faible, c'est pas les pieds. Mince. Eh non. Apparemment. Je comprends pas, dans Dead Space faut viser les bras et les jambes quoi. C'est vrai. Bah tu peux viser les bras et les jambes, ça leur arrache éventuellement, mais par contre ça les arrête pas. Avec la magnifique arme du découpeur, tellement génial. Découpeur laser, plasma, ouais. Dans Dead Space, tellement jouissif. Ouais. Celui qui peut lancer des mines là. Ah, même avec le petit pistolet de base déjà, je le trouve trop bien. Tu l'orientes, là tu tapes sur le bouton pour basculer horizontal, vertical et tu découpes les membres. C'est ça. C'est tellement bon. Je lui ai parlé de mes inquiétudes. Il était d'accord. Il a dit je suis avec toi, Rachel. Je suis avec toi. Moins de puissance de feu, ouais. Je vais garder celui que j'ai. Qu'est-ce que tu nous racontes sans arrêt? Hé, hey, on se concentre. Un petit Glock. Je prends le petit Glock. C'est perturbant de faire le sniper au fusil à pompe. Je peux comprendre. Vous êtes chaud, je lance. Tu peux y aller. Ouais. Bonsoir Inaru. Bah, qu'est-ce que c'est que cette déception de Horde quoi. Ah voilà quand même. On est en mode de difficulté de base, hein. Y a même pas de tirami et tout, c'est vraiment. Ah, y a pas de tirami. Ça c'est un gros tas par contre. C'était. Bah, il a fait un gros tas. Exactement. T'es sûr qu'il n'y a pas de tirami? Normalement, non, je crois qu'en niveau de difficulté de base. Vas-y, retire-moi dessus pour voir ma vie. Si, ouais, ma mais... vie. Est... Non, mais tu triches, y'a des gens qui te tapent dessus derrière. Non, ouais, effectivement, ma vie ne bouge pas quand tu me tires dessus. Ça fait, ça déclenche, mais la vie elle descend pas. Aïe! Hoffman, fais attention où tu tires. On a les petites phrases quand même. Ah putain, sérieux, il y avait un trou. Sortez. Ah, quel talent. Ah ouais, ça c'est la classe. C'est violent, pendu carrément. Ouais. Moi je suis une corde dans ma tête. Hein. Si quelqu'un a une caisse à outils, il y a une porte à ouvrir là. Mais... Non, pas de caisse à outils. Ouais, il fallait nous dire que tu avais ces tendances là, mon petit signe noir. Les échelles, les ennemis de toujours. Alors dites-moi dans le chat hein, si jamais il y a des trucs qui vont pas, que c'est pas clair, que le retour du chat fonctionne pas, tout ça, tout ça. Ouais, c'est totale découverte un Twitch ce soir.
Ouais, on découvre comment ça marche, on découvre, on fait des tests. Comme des gros noobs. Exactement. C'est ça. J'ai fait 5 minutes. J'ai fait 5 minutes de test cet après-midi, histoire de dire que voilà. J'avais reçu la notif d'ailleurs sur mon téléphone, j'étais chez des amis et je reçois, tiens, le signe noir est en. Enfin les jeux du signe est en ligne, j'ai fait ah bah ça. Il doit tester. On a besoin d'aide. Ça marche. Ils nous ont piégés. On y est. Quel soulagement. On pensait être les derniers. On aurait vraiment besoin. Alors je rappelle que si on déclenche pas d'oiseaux, on a un bonus de thune à la fin. Donc... Alors pour info les oiseaux, on marquera ce que c'est parce que A4 risque de les déclencher comme moi hier pendant notre petit test lamentablement. Ah non, moi je déclenche pas les oiseaux. En fait tu vois là il y a des tas d'oiseaux, faut pas s'en approcher, voilà. Ouais je sais. Très bien. J'ai fait une mission. Ah t'as fait une mission. Bah moi hier j'ai foncé dessus et après j'ai compris qu'il fallait pas, maintenant j'ai voilà. Faut pas effrayer les oiseaux. Bah voilà. Voilà bon bah au moins. Ah c'est pas moi. Non c'est faux, c'est pas moi. Ah ça a marqué A4 hein, mais à part ça t'es fait. Non c'est pas moi. Je pense que le jeu a bugué. Salut Zikino. Aou. T'es Zikino. J'ai mon téléphone à côté, donc je regarde le chat de temps en temps. On s'est bien amusé. Y'a un truc qui clignote là. Ouais, j'ai lancé une bombe. Parce qu'ils commencent à être un peu trop nombreux. Alors y'a une piqueuse. Faire mon mettre du barbelé. J'ai trouvé du barbelé quoi. Ouais, tu peux mettre des barbelés. Mettre du barbelé, ouais. Ça arrête les zombies de base. Ah ouais, d'accord. Elle est où la piqueuse là? Oh. Tu parles du truc dégueulasse qui me tire dessus? Ouais, probablement ouais. Il est mort. On doit trouver un autre chemin. Ouais bah un autre chemin, il y a peut-être des trucs planqués par là, non? Ah, il y a un truc bizarre. Bah, elle est là, ouais. J'entre dans le bâtiment. Restons prudents. Ouais, elle était là. Alors, il y a une armoire à pharmacie là, si vous voulez. J'ai un fusil. Attention, il y a des oiseaux de l'autre côté du camion. Oh, bah arrête. Il y a quelqu'un. Ah oui, tu montres un truc qui a l'air sympa comme ça. Alors, je vais venir voir. On trouve pas ça dans la nature. Ça, c'est un Barrette M95. Ah oh, ouais, bah tiens, je vais le prendre parce que. Oh oui, ça va être sympa ça. Ah, il manque un viseur quand même. Un petit calibre 50. Ouais, si à un moment je trouve un viseur, je dis pas non, hein, parce que. Pas des zombies là normalement? Bah, on est en mode survivant. Après, si là, cette première partie, vous. J'avais mis ça parce que tout le monde n'avait pas forcément joué, mais si cette première partie vous semble trop simple, on la recommence avec un peu plus le niveau du dessus. Hein. Ah, pour le moment, c'est clairement facile, hein, mais. Bon après c'est peut-être, bah je sais pas, parce que moi je one shot les zombies par exemple avec le M4, donc oui, le M14. Même après, sauf que après ils vont être de plus en plus nombreux, et il y aura de plus en plus de spéciaux. Quoi. C'est surtout le nombre qui joue après. Mais c'est vrai que les premières missions sont assez faciles. Ouais bah forcément, après c'est un peu crescendo quoi. Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est sa base. Oh. Ah ouais. Un peu, de toute façon c'est un peu comme Left 4 Dead. Hein. Oui, c'est clairement comme du Left 4 Dead. Oui, clairement, ouais. Ah oui, c'est un. Non, oh, j'ai tué deux spéciaux. Moi, dans c'est ma tête, pour moi, c'est Left 4 Dead 3, hein, clairement. Bah, de toute façon, je sais c'est... pas pourquoi il n'y a pas une suite à Left 4 Dead et qu'ils ont fait ce jeu-là. Est-ce que c'est. Ah, c'est pas eux, bah, hein. Je crois pas. C'est, hein. Apparemment, c'est une partie de l'équipe de dev de Left 4 Dead, ah. Quand même. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ok. Ah, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais cru comprendre, donc. Mais probablement qu'ils sont plus avec Steam, quoi. Ils doivent être dans leur propre. Non, ils sont plus avec Valve, ouais. Enfin, Valve, oui. Ouais, Valve, Steam, c'est pareil. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, Steam, je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, Valve, putain, je vais y arriver. pas d'Half-Life 3, pas de Left 4 Dead 3. Enfin, ils ont peut-être du mal avec le 3, hein, tu sais, ils ont peut-être vu Matrix 3, et puis depuis, ils ne veulent plus. Pour ne citer que celui-là. Bah c'est vrai qu'ils se sont aussi bien concentrés sur Steam, hein, donc. Oui. Il y a un moment où tu peux pas. Parle de corruption. Hein. On oublie. Ils font beaucoup de devs conceptuels, mais c'est pas trop des fans des suites. Ouais. Non. Seconde chance, plus un de vitalité. Oh. Ouais, je pense que je vais prendre ça aussi, moi, seconde chance. Bah en fait, moi, j'avais pas de choix. Ah bah oui, plus 10% de munitions. Ah oui, t'as ton deck de vraiment tout de base, ouais. Bah du coup, ouais. Ouais.
Je recharge plus vite et j'ai plus de balles. Est-ce que ça me paraît bien? Ouais, mais toi t'as les decks plus plus. Hein. T'as déjà trop joué. Ah non, mais c'est les trucs de base. Ah ouais, c'est un truc de base celui-là. Bah, ben. Je choisis mon truc. Ouais. J'ai 195 balles sur moi. Oh merde. Ah non, ça va. Je croyais que j'avais plus de balles de Glock, mais si, mais j'en ai encore 661 sur moi. Ça va. Ouais, mais alors il y a un truc effectivement à faire gaffe, c'est que quand on commence la partie, à chaque fois, l'arme secondaire est déchargée. C'est. Ça, c'est peut-être un bug, un petit bug. Je pense que c'est un bug. D'ailleurs, j'ai eu un petit bug, je sais pas si ça a fait la même chose pour vous, mais moi, c'est le. Tu sais, le pavé numérique du haut de ton clavier. Et ben moi, il ne fonctionne pas sur le jeu. Partez. Ah ouais, non mais si, c'est normal, c'est parce que il est considéré comme en QWERTY. Du coup, comme de base, les touches qui sont mappées c'est 1, 2, 3, 4 et que ton clavier AZERTY envoie pas 1, 2, 3, 4. Il envoie pourcent, guillemets, etc. Faut que tu les remappes, tu vas dans le truc d'options et tu les remappes, tu vas voir, c'est un bug, hein, effectivement. D'accord, mais, ouais, je l'ai fait avec le pavier numérique à droite, ça va. Voilà. On bouge. Tu sais, moi quand il y a un truc qui me gêne, je change, hein. Ça me dérange oui, pas. Bah, ça se comprend, hein. Mais bon, étonnamment, ZQSD, ça l'avait bien pris en compte. Ouais, fasse... étonnamment, ouais, celui-là, il marche bien. Waouh, il y a du monde j'ai déjà pas, qui arrive là. Pas en ZQSD. Assez lente comme arme, quand même, il va falloir que je fasse gaffe. Laquelle? Le Barrett? Ouais. Bah, c'est un calibre 50. Est-ce que tu sais ce que c'est un 50 BMG? Oui, je... effectivement, c'est gros. Voilà, c'est ça qu'il y a dedans comme munition. J'ai un pistolet mitrailleur. Pour l'anecdote... Vous pouvez reculer un peu. Ah bah c'est le boss. Ah oui, quand même. Normalement, il est pas censé apparaître quand on... Ah bon? Vous l'avez eu hier? Normalement, oui. Si, il apparaît toujours dans cette zone et il traverse là. Et plus on lui fait mal, mieux c'est. Mais quand il sera arrivé dans la cour de début là, il disparaîtra. Il reviendra plus tard. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Ah, c'est un concept. Saloperie. Piqueuse là. Il a un tout petit chargeur ce pistolet mitrailleur. C'est tendu. Lequel? Celui que j'ai là. Alors par contre ouais, les armes n'ont pas les vraies doses de munitions. Ah bah forcément parce qu'après tu trouves des chargeurs pour les améliorer etc. Ça m'a un peu perturbé la M4 avec 25 munitions à l'intérieur. Ah mais ça c'est parce que tu t'y connais en armes. Oui c'est ça. Les armes à feu sont dada. Je savais pas que tu t'y connaissais bien en armes. Si. Tu feras une vidéo à l'occasion sur ta chaîne YouTube de ton garage. Ah bah écoute. Toutes les incohérences de Black 4 Blood. Ah bah écoute. Avec test en vrai quoi. Alors vous voyez dans Black 4 Blood, alors je monte dans mon garage, vous voyez, je vais tirer sur ma voiture. J'ai accroché ma petite sœur pour simuler le zombie. j'ai pas de petite sœur, dommage. Un petit frère peut-être. Je suis le dernier de la fratrie. Un voisin, une voisine. Ouais, on trouve toujours quelqu'un. J'ai un enfant. Est-ce que ça marche? Bah voilà, parfait. Oui. Parfait. En plus c'est nickel, tu peux les reproduire à l'infini. C'est ça. Ah, l'enfant qui pose la question pourquoi. Parce que. Un Chobiti crie pas les petits chatons, mais je la rassure, on parlait pas des petits chatons, on parlait des enfants. Ça compte plus maintenant. C'est ça. Et là, elle a dit ah bon, ça va. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, pardon. Y'a quoi ici? Pourquoi il crie comme ça là? Ok, d'accord. Aka qui ouvre la porte et il y a une meute de zombies derrière la porte, normal. T'as raté l'entraînement aussi ou quoi, Walker? Ouais, là il commence à être un petit peu plus nombreux là, faut avouer. Par contre, j'ai bien aimé le tuto du jeu avec les petites. Qu'il y a derrière la zone de base. Ah oui, la zone d'entraînement au tir là. Ouais, elle est pas mal, elle est sympa. Tu peux tester tous les. Toutes les armes. Toutes les armes, ouais.
Il y a un Beretta plutôt bien équipé là, si jamais ça intéresse quelqu'un. Un petit Beretta M9, qui est en train d'être remplacé d'ailleurs par l'armée américaine. Pour ceux qui veulent savoir. Merci pour les infos au passage. Ah non, mais il est vieux, hein, c'est comme pistolet, il a des années 80 quand même. C'est vrai que c'est un vieux pistolet. 80. Donc. Et il remplace ça par quoi? Ça, c'est pour il remplace ça par un SIG. Ah. Petit SIG marque P226 marque 17, il me semble. 17 et 18 suivant les unités. C'est qui fabricant des SIG? C'est pas un truc de l'Est, ça? Non, c'est SIGSOAR. C'est Suisse. Allemand. Suisse. Très bien. Je repasse au fusil à pompe, ça va être plus fun. Un fusil de chasse. Si quelqu'un veut une hache de pompier. C'est vrai que c'est très très bien la hache dans le jeu. Ah, il y avait une alarme sur cette porte, très bien. Putain, heureusement qu'il n'y a pas les dégâts alliés. Ah ouais, dans les couloirs c'est quand même mieux, putain. Une petite y'a du peuple. Voilà. Et là y'a rien du coup ici. Déception. J'ai un mauvais pressentiment. Oh mais non, mais faut pas parler des pressentiments. Ah. Oula. Ah bah le retour. Faut pas charger tout seul en général dans ce jeu. C'est plutôt une constante hein. Attention, il va balancer des trucs. Ah, ça par exemple? Moi aussi je peux balancer des trucs. Ah. Ça va mon petit signe? Ça va. C'est bon. Easy. Il meurt bien. Ça m'appelle un peu la créature de Half-Life. Le gros truc qu'il y avait là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, celui avec les lance-flammes. Ouais. Celui avec les lance-flammes. Ouais, ouais. Il m'appelle, enfin, c'est pas le même parce que là c'est un truc de chair, mais et oui, un petit peu le même physique, je trouve. Ouais, un gros truc, quoi. Je sais plus si ça s'appelait le Behemoth ou... Ouais, mais même dans son style, très gros au milieu, avec des bras qui redescendent... C'est plus son nom, mais... Très bon jeu, Half-Life, d'ailleurs. Ah, bah, de toute façon, Valve, hein, globalement. C'est vrai que par contre, pas sûr que, au final, même en comptant Steam, hein, ils ont jamais fait un truc vraiment, vraiment pourri, hein. Non, c'est vrai. Les Team Fortress, les Counter-Strike, les Half-Life... Les Day of Defeat et tout... Portal et compagnie... Bon après, Day of Defeat c'est un peu des modes de Half-Life quoi, à la base. Ouais, c'est même pas Half-Life. Ouais, bah Counter-Strike aussi, à la base c'était un mode de Half-Life. Hein. Oui, tout à fait. Je Team Fortress souviens, aussi d'ailleurs. J'y ai joué à l'époque où c'était un mode. Hein. Le mode Deathmatch d'Half-Life 2 était jouissif à souhait. Vraiment, très très bon. Ça. Tellement fandard. Petit coup de couteau. Un accessoire de canon. Un fusil d'assaut. Bigadin qui te dit bonjour. Le salut Bigadin. Bienvenue sur le live, merci d'être passé. Oh, une bouteille de propane, est-ce que c'est une bonne idée de tirer dessus? Bah bon, en étant proche. Quand tu es à côté, pas trop. Non. Alors, tu peux la prendre dans tes bras et la lancer à 2 mètres. Oui, comme, enfin, comme dans les Fordette quoi. Et généralement, il y a un mec qui tire à ce moment-là. J'ai le réflexe d'appuyer sur F pour balancer des flares comme dans Deep Rock Galactique. Mais il se passe rien bizarrement quand j'appuie là. Et tu vas vraiment le regretter. Ce n'est pas le même jeu. Eh non, non, c'est les réflexes. Hein. Je prends ça. Tu n'es pas un nain. Non, et je ne mine pas. Bon, ça dépend, est-ce que tu as des mines? Il y a un abri ici. J'ai des grenades. Ah, là, on est dans l'abri de la classe ici. Ah bah il y a des pizzas, ah, oui. C'est bon, c'est nickel. On a même une baignoire. Il y a de la bière. C'est nickel. Des lits. D'appoint, mais des lits. Bon, le dernier entré ferme la porte. Hein. Oui, c'est ce qui s'est passé. Parfait. Non, il faut laisser les portes ouvertes comme à l'église. Est-ce que mon plugin de chat fonctionne bien? Si vous parlez, vous avez le retour sur l'écran? J'entends les chatters, hein, pas ceux qui parlent oralement, bien sûr. Attends, j'essaye. Non, je n'ai pas de retour sur mon écran quand je parle. Ah, écoute, il y a des trucs de... Ah si, c'est tout en haut, mais c'est en tout petit.
Ouais, c'est petit et en plus c'est en plein dans le... Ouais, c'est pas forcément le meilleur endroit. J'avais pas trop où le mettre vu le jeu. Je vais peut-être le bouger. Descendre un peu, ouais. Après, le problème de ce genre de jeu, c'est que t'as des infos un peu partout. Bah, c'est pour ça, ouais. Il me semblait que cet endroit-là, c'était là où j'allais probablement le moins regarder, moins gêné, mais du coup, ouais, il y a le... Après, sinon, tu peux avoir le côté droit au-dessus des armes. Tu fais une petite fenêtre, un peu de la taille des deux armes, là. On s'en fout de savoir si t'as des grenades ou une trousse de soins, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça serait à peu près... Ah oui, alors, putain... Ah. Après, il vaut mieux regarder quand t'es pas sur le menu, je pense, mais que t'es vraiment en jeu. Ouais, je vais le laisser là où il est pour l'instant. Au début, on est dans l'abri, hein, donc tu peux prendre le temps de regarder. Hein. Ça veut dire qu'on peut se barrer et laisser le signe tout seul ? Bonne idée ! Bah, je m'en fous, de toute façon, vous nettoyez. Hein. Animal blessé. Oh, je prends l'endurance supplémentaire. 25 de capacité de munitions, ça me va bien. Et salut, Zuc ! Oh, mais oui, il y a Usu ! Salut, Zu ! J'espère que ça va bien pour toi, et si ça ne va pas, de toute façon, ça finira par aller mieux. C'est pas faux. Fallait bien que je lui balance sa référence. Ah, il y a des petites bombes de peinture. Est-ce qu'on peut les prendre et repeindre les zombies ? Voilà, normalement, le chat devrait être mieux, là. Si vous voulez essayer de parler un petit peu, ça devrait être juste au-dessus des armes. Vous avez envie de nous spammer à la tronche ? Si vous avez envie de spammer, exactement, voilà. Chaque message envoyé dans le chat, c'est un petit peu d'amour qui retombe sur nous. Oh, c'est beau. Un silencieux. Ça donne envie. Est-ce que c'est utile le silencieux dans le jeu ? Ils sont attirés par le bruit, c'est ça ? J'imagine qu'il doit probablement y avoir moyen de le jouer, mais faudrait que tout le monde soit en silencieux, quoi. Bah écoutez, j'en ai mis un sur mon petit fusil de chasse. Mon petit. Voilà, moi j'ai acheté un emplacement supplémentaire, comme ça on peut prendre deux grenades, deux pansements. C'est cadeau. C'est très petit le chat. C'est pour les faibles, c'est pour ceux qui se font blesser. Je sais pas du tout si je peux grossir la police du chat. C'est un truc vraiment basique en mode navigateur à la con. Je pense que t'as moyen de grossir le... Tu dois pouvoir le grossir ton truc. Il y a sûrement moyen, hein, mais il faut que je vois sur... C'est du CSS personnalisé et tout, donc... Tu fais exprès ou quoi ? Aïe, pardon. À mieux viser avec ce truc. J'ai tué un zombie, ça peut te rassurer. Je suis sur OBS, Bigadin. J'ai trouvé un truc avec... mettre l'URL du chat dans un équivalent navigateur pour le grossir, mais... Et salut le retour de Momo. Donc salut Momo. Salut retour de Momo. Je vais avancer un peu quand même parce que... Hein, ils m'attendent pas comme promis. En plus, ils m'attendent pas et ils prennent. Hein. Non seulement ils m'attendent pas, mais ils prennent pas la thune, quoi. Bah non, c'est derrière. Ah, une grenade. D'ailleurs, la thune, elle est partagée ou pas ? Oui. D'accord. Ah oui, bon, tout va bien alors. Quand tu ramasses, c'est pour tout le monde. D'accord. Mais quand on achète, c'est perso ou c'est. C'est perso. C'est perso, sauf t'as des trucs de groupe. T'as deux cartes de groupe à chaque fois. C'est deux gros trucs, deux grosses cartes dorées que tu peux acheter qui servent à tout le groupe. C'est marqué dessus, c'est des améliorations d'équipe. Ouais, d'accord. Donc ouais, quand tu ramasses 25, on gagne tous 25, mais quand on paye, c'est tout seul. C'est ça. En gros, c'est ça. Je peux pas l'ouvrir. Je cherche à comprendre les mécaniques. Hein. Oui, mais tu fais bien parce que dans chaque jeu, c'est différent. Alors. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Je la joue en mode Splinter Cell avec mon petit silencieux. Et je ressemble étrangement à Splinter Cell d'ailleurs. Mon personnage ressemble au personnage de Splinter Cell. Alors l'exploseur, faut faire gaffe hein, parce que si il touche, on a tendance à bien voler quand même. Ouais, il y en a qui ont fait. Il est empoisonné. Ah non, celui qui t'empoisonne, c'est le vomisseur, c'est différent. Il a un peu la même tête, mais il a une grosse tête qui gerbe au lieu d'avoir un truc explosif sur le torse. D'accord. C'est pareil, il y a la piqueuse et la cracheuse, elles ont un peu la même tronche, mais pas tout à fait. C'est peut-être parce que c'est encore la bêta, hein. Ils ont peut-être pas encore finalisé tous les skins. Oui, t'as peut-être pas tous les skins. Ouais. Bah, cela dit, le vomisseur et l'exploseur, tu les vois. La piqueuse et la cracheuse, en général, elles sont trop loin pour vraiment les voir, mais je pense que c'est pareil, elles ont des différences.
Être la piqueuse, elle te jette des trucs à distance, alors que la cracheuse, elle a une espèce de grosse langue dégueulasse et elle te crache dessus pour te figer sur place. Pareil, les animations des fois, t'as les zombies ils tombent d'un coup et t'as les balles qui arrivent après. Ouais, les caisses de munitions qui tombent avec Hoffman là, c'est assez bizarre, ouais. Et tu verras quand il y a une pente, elle descend de la pente par un coup. C'est assez moche. Non, puis, aussi, en fait, c'est pas ça, c'est que des fois, moi si je tire pas, par exemple, je vous regarde, je vois les zombies tomber, mais je vois pas forcément de sang ou je vois pas forcément vos tirs, ils tombent en fait, juste ils tombent. T'as l'impression qu'ils se sont cassés la gueule, mais en fait, non, c'est que vous les avez butés, mais c'est pas. Ça, c'est peut-être le ping. Hein. Ah, c'est pas. Peut-être, ouais. Je suis pas sûr, je pense que ça manque d'une animation vraiment quand les autres joueurs. Enfin, je sais pas, les balles. Sens pas trop. Moi les miennes quand je touche, mais les vôtres, je sais pas. Après c'est peut-être le ping, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque. Ouais, parce que toi tu vois pas ton ping en fait. Oui, tu bien sens sûr. Pas normalement ton ping. C'est les autres qui le ressentent. Voilà, j'ai vu deux zombies tomber derrière en arrière, comme si c'était cassé la gueule en fait. Alors qu'en fait ils ont pris une balle, mais la balle est arrivée deux secondes après quoi. Ouais, mais ça c'est clairement du ping. Ouais, bon, c'est peut-être de leur serveur. Je vois bien les balles traçantes, moi. Bah, je les vois, mais pas... Ouais, c'est pas... Pour la vengeance. Et du coup, Bigadin, si tu connais des plugins et tout, cool... Bon, je sais que... Akat m'avait proposé de faire une session, mais j'étais énervé tout à l'heure. Oui, non, mais c'est normal, J'ai trop de mal avec avec Twitch, hein. Enfin, personnellement... Ouais. T'inquiète pas, moi aussi quand j'ai programmé mon tweet j'ai pété des plombs. Hein. Hop, pardon, je les ai pas vus. Mais ouais, c'est pareil, je suis pas un grand fan non plus. Je le fais pour faire l'effort, les tester, voilà. Ouais, en fait c'est pas la pire plateforme. Non, bah en fait c'est pas la plateforme en elle-même, hein. C'est le concept de... Le truc en fait, la plateforme te fait rien de base quoi. C'est... Et puis tous les modules autour... En fait la valeur ajoutée de cette plateforme, c'est que les gens quoi. Que les trucs autour. Bah, regarde YouTube, c'est à peu près pareil. Hein. Alors YouTube c'est différent, ils fournissent un certain nombre d'outils de base quoi. Tiens, il y en a avec des gilets pare-balles, intéressant. Caisse avec des fusils à pompe là-dedans, vous en avez rien à fichtre. Non, j'ai mon pistolet. Un fusil de chasse vert, moi je prends, pour le plaisir. Requiert une caisse à outils, bon bah toujours. J'arrive. T'as une caisse à outils? Oui. Oui, je prends tout le temps les caisses à outils maintenant quand je peux. Ah bah ouais, carrément, ouais, c'est carrément rentable. Des pétards. La solution va pas nous tomber du ciel. Fusil de chasse silencieux, on va prendre ça. Allez, une charge de soins chacun. Hop. Chargeur agrandi, c'est bien ça. Sur un fusil de chasse, ça passe bien. Sacré Katox. Mip mip. Ah, bientôt je referai des mip mip, mais pas encore. Oh non, pas ça, non. Non. Pas les mip mip, on a dit pas les mip mip. Bah, on est pas encore alliés. On n'est pas encore à la saison 2 donc. Une idée de génie. Enfin, mais le friendly fire. S'il fait mime, je veux le friendly fire. Ah, ça a suivi, hein, n'empêche ce truc. Hein. Ah ouais, ça reste. Hein. Ah, finesse. Alors, je confirme que non, le modérateur de son n'empêche pas d'attirer les zombies. Voilà. Si j'ai tiré à côté d'un zombie exprès et ils sont tous venus. Donc le modérateur de soins n'empêche pas l'arrivée des zombies. Ah mais je pensais que t'avais activé le truc, t'étais à côté, Akat. Ah non, je tuais les zombies avant. Excuse-moi. Bon, bah t'inquiète, hein, ils vont venir. Bah, c'est justement ça le problème. Qui c'est qui jette des trucs explosifs, c'est là-bas, okay. Moi. Non, parce que je le voyais pas, donc Quelqu'un a une autre grenade? Moi j'en ai une. Une grenade, moi, ouais.
Il y a un exploseur là-bas. Là-bas, voilà. Ça pourrait faire une belle explosion. Bah c'est fait. On a gagné un peu de temps. Je couvre l'escalier, ne vous inquiétez pas. Bah moi je couvre plus ou moins la petite pente là. Ah c'est bon, il a explosé. Alors ce qui est cool hein, c'est que utiliser les attaques de corps à corps ça n'arrête pas le rechargement, hein, je précise. Ah ça te le ralentit un peu quand même, mais ça le ralentit un peu, ouais, mais du coup tu peux recharger. Ce qui est complètement con, on est d'accord. Oui. Mais c'est assumé dans le jeu, hein, dans les tips et tout. Oui, bon après. Après, peut-être que selon le niveau de difficulté, ça pourrait changer ça. Peut-être, ouais. Après, avec le feedback des joueurs, ils vont peut-être le changer ça aussi. Après, moi, ça me dérange pas. Non, bah, c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique en plus, enfin, franchement. Bah, ça enlève une difficulté inutile au jeu. Allez, c'est ce truc, c'est de la flotte. Nous sommes dans les égouts. Alors on peut faire du PVP cela dit, hein, Katox, c'est vrai qu'on pourrait envisager un versus avec Damned. Hein. Mip, mip. Ah, on peut faire du PVP dans le jeu. Il y a du PVP, ouais, il y a du PVP, tout à fait. Il y a okay. Un cocktail là, si jamais quelqu'un n'a rien... Bon, c'est du même genre que Left 4 Dead, il y a une équipe zombie, une équipe survivant et... Ah. Et bonsoir Tonch. Salut Tonch. Tonch, fais un... Tonche, tu es beau. On t'aime, Tonche. Ah, faut que je ferme la porte. Ouais, pour le moment, c'est assez facile. Là, pour... Je vais arrêter là le record pour la VOD. Donc, on se retrouve tout de suite.